Comment comprendre les difficultés pour le parent d'aujourd'hui à confier son enfant? Alors, ici, on peut, quand on essaye de comprendre les réticences, de comprendre les hésitations, etc., c'est vrai que, y a probablement en jeu toute une série de choses. Il y en a une que l'on peut au moins épingler. C'est qu'en chacun d'entre nous, hein, en tant qu'être humain, et donc quand on est parent, ben forcément, on retrouve ça, il y a ce qu'on appelle, en philosophie en tout cas, mais vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, il y a ce qu'on appelle un désir de toute puissance, c'est-à-dire le désir d'être un bon parent, surtout à une époque où on désire le plus souvent, il y a encore des exceptions, mais le plus souvent, on a le projet d'une famille, on le désire, et évidemment, si c'est un projet, on a envie de bien le réaliser. Et quand on est dans les préparatifs, bah, il n'est pas rare, hein, donc de rêver, d'imaginer le parent qu'on sera. Et évidemment, le parent qu'on sera un parent tout puissant, c'est-à-dire tout puissant, il faut relativiser l'expression, ce que l'on veut dire, un parent à la hauteur de sa mission en tout cas, qui s'occupera bien de ses enfants, qui sera le seul à pouvoir le comprendre, à pouvoir l'aimer, qui saura tout de lui, qui pourra anticiper peut-être ses désirs, qui évidemment ne lui donnera pas d'ordinateur ni de téléphone avant l'âge de X, qui évidemment travaillera à moitié pour pouvoir à mi-temps pour pouvoir s'occuper de son enfant. Enfin bref, on rêve le parent que l'on va être. Et c'est plus que du rêve. On a vraiment l'impression qu'on fera des efforts dans cette direction-là. Et évidemment, quand on est dans cette posture de vouloir être le bon parent irremplaçable, celui qui sait tout mieux que tout le monde concernant son enfant. Hein, donc, je sais mieux que même mon enfant, ce qui est bien pour lui, parce que moi, je suis adulte, lui, c'est un enfant. Enfin, quand on est dans cette posture-là, ben, vous comprenez bien que c'est quasi mission impossible, hein, parce que ce serait vécu peut-être comme une trahison, comme un abandon, comme une faute parentale. C'est quasi impossible de pouvoir confier son enfant à quelqu'un d'autre, de pouvoir effectivement, donc par conséquent, parce que ça implique ce genre de choses, une fois que je l'ai confié à quelqu'un d'autre, ben, je ne sais pas ce qui se passe. Et voilà que moi qui veux tout savoir, qui veux tout bien faire, qui veux le meilleur pour mon enfant, d'accepter que mon enfant vive en dehors de l'amour que j'ai pour lui, eh bien c'est vrai que c'est s'ouvrir à l'inconnu. Et en s'ouvrant à l'inconnu, c'est se confronter en tant que parent à la peur de tout ce que je redoute qui peut arriver. Je vous donne un exemple, hein, tout simple. Quand on apprend à son enfant à faire du vélo. Ben, au début, ça va parce qu'au début, on court avec le vélo et avec le gamin qui est dessus, évidemment. Donc, on contrôle la situation, il ne tombera pas. Enfin, voilà. Mais le jour où il commence à pédaler tout seul maintenant, le premier jour où ça arrive, vous imaginez bien que quand on le voit partir, qu'on le lâche parce qu'on n'arrive plus à courir assez vite pour être derrière lui, ben, c'est là qu'il peut y avoir une peur. Et puis, quand il tourne à gauche et qu'il disparaît derrière le quartier, hein, au carrefour, on ne sait plus où il est, ben, là, il y a une crainte terrible qui peut apparaître. Parce que des gens sentent très bien cette peur et n'arrivent pas à la maîtriser, à la contrôler, il y a des parents qui empêcheront leur enfant d'apprendre à faire du vélo. Que va-t-il se passer le jour où il partira tout seul? Est-ce que je serai derrière? Est-ce que je pourrai le protéger s'il lui arrive quelque chose? Enfin bref, toutes ces questions-là que tous les parents se posent, hein, ceci dit au passage, il y a des parents qui n'arrivent pas à l'assumer. Je veux rester irréprochable, donc ne pas mettre mon enfant dans des situations où son destin peut m'échapper. Et où il pourrait lui arriver tout ce que moi je redoute qui pourrait lui arriver. Et par conséquent, eh bien, on va effectivement donc replier les ailes de son enfant, si je puis dire. On va l'empêcher de pouvoir faire ceci, de faire cela. Et vous comprenez bien où est le problème, hein. Le problème, il est seulement ou non pas dans l'enfant, qui lui est peut-être capable, hein, de pouvoir aller vers d'autres adultes, de pouvoir comment faire des choses avec d'autres personnes, mais le problème est simplement du côté des parents qui ont peur. Et donc le problème à régler ici, ce n'est pas tellement le fait que l'enfant aille chez d'autres, soit pris en charge par d'autres. Le problème à régler ici, évidemment, c'est ma peur à moi en tant que parent de ce qui pourrait arriver et qui n'est jamais qu'une peur personnelle. Bien évidemment. Et c'est ça qu'il faut alors à ce moment-là commencer à creuser pour essayer, si possible, non pas de ne plus avoir peur, parce qu'on a toujours des peurs, et les peurs, quand elles sont là, mais pour essayer de ne plus être agi par ces peurs. Donc, c'est-à-dire de pouvoir se décoller un peu de ces peurs, d'apprendre à vivre avec elles sans que ça n'empêche les autres de pouvoir, eh bien, se faire aider ailleurs, de pouvoir trouver des points d'appui ailleurs, etc., etc. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est un aspect de ce sujet. Que l'on peut donc développer. Mais il y en a d'autres, évidemment. Voilà.